Je me nomme Jean-Paul, et oui, je suis homosexuel. And trust me, it gets better. Je suis né au mois d'octobre 83, fils d'un mineur à Sudbury, Ontario. C'est pas un petit village, mais peut sembler comme un petit village en fait de mentalité. Tout de suite une plus grande ouverture quand ça vient à ça, mais c'est pas la place idéale pour faire son coming out. Puis c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à l'âge de 22 ans. Je savais que j'étais différent quand j'étais en 6e année. Parce que je pouvais pas m'identifier au jock qui jouait au sport, au gars qui aimait la chasse, la pêche, les autos, puis tout ce qui est considéré typiquement gars. Puis je pouvais pas m'identifier au gars qui commençait à avoir un crush ou qui aimait les filles. Je savais pas c'était quoi, mais je savais que j'étais différent des autres. C'était juste en 9e année que j'ai pu mettre un nom à ce feeling-là. Que j'ai su que j'étais pas seul. Je veux dire, le feeling de... je suis pas seul. It was so revealing, but so scary at the same time. Je veux dire, moi je viens d'un entourage qui est très religieux. Puis tout ce que j'entendais au sujet de l'homosexualité, que c'était mal. Que c'était un péché. Je peux pas te dire le montant de fois que j'ai prié et j'ai prié et j'ai prié quand j'étais en 9e année ou même au secondaire. Please don't make me different. I just want to fit in. Just want to fit in. That's it. C'est pour ça que j'avais des blondes au secondaire puis même à l'université. C'est seulement à l'âge de 22 ans que j'ai pu dire, juste le dire à toi-même, je suis homosexuel, je m'aime et je m'accepte. C'est huge. Juste ça, c'est une grosse étape. Puis ça m'a pris comme un bon 6 mois avant de le dire à des amis. Je me rappelle, c'était le jour de l'an. Juste le dire à des amis dont je connaissais depuis la 3e, 4e année, it was a relief. C'était comme, pour la première fois, je me cachais pas. Puis voici qui je suis. Voici, this is who I am. Puis tu sais, ils l'ont vraiment bien accepté. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé, de le dire aux autres. Pour une raison ou d'une autre, tu penses que ton coming out va être tellement une expérience où tout le monde va te rejeter. Mais c'était vraiment le contraire. J'ai le courage de le dire à mes parents, mais j'avais encore tellement peur de leur réaction que j'ai même pas eu le courage de le dire en personne. J'ai en fait écrit une lettre, j'ai tout dit dans la lettre, puis je suis parti pour une semaine. Est-ce que c'était une célébration? Est-ce qu'ils étaient contents? Non, du tout. Mais moi, ça m'a pris 22 ans pour l'accepter. Pour dire voici qui je suis, so I can't expect them to accept it overnight. J'ai rien contre la religion, don't get me wrong. Je veux dire, même aujourd'hui, je suis encore croyant, mais ma vision a changé. Parce qu'on me disait toujours que there's gonna be a judgment day and you will be judged. Puis oui, je le crois ça. Je crois du fond de mon cœur. That we will be judged on how we loved and on who we loved. J'ai gradué de l'université en juin 2006, puis quelques mois après, au novembre, j'ai eu un poste à un conseil. Puis je vais toujours me souvenir de la première journée que je suis rentré à l'école. Mon directeur m'a donné la tournée de l'école. À la fin de tout ça, il a fermé la porte, puis on a juste eu un one-on-one. Puis il m'a dit qu'il savait que j'étais homosexuel, qu'il avait entendu parler, mais que c'était correct. C'était un moment que je ne vais jamais oublier. Parce que c'est la première fois qu'un pur étranger m'approchait et qui me disait que c'était correct d'être qui je suis. Mais en même temps, j'ai dit que j'étais pas prêt de mélanger ma vie personnelle avec ma vie professionnelle. Que je n'étais pas prêt à franchir cette étape-là parce que, dans le fond, I wasn't ready. Et me voici 4 ans plus tard. Puis je peux honnêtement dire que je suis prêt. Avec tout ce qu'on entend dans les nouvelles dernièrement, que ce soit le gay bashing ou
le taux de suicide chez les ados, ou même le bullying dans les écoles. Je veux dire, on est en 2010 puis ça se passe encore. Je suis prêt de partager mon histoire parce que it gets so much better, I promise. It gets so much better. Je viens d'une famille, d'une ville où ce que l'homosexualité, c'est pas la norme. Puis je travaille dans des écoles où j'entends souvent l'expression « that's gay ». Comme si « that's gay », c'est quelque chose de négatif. Mais honnêtement, si la norme veut dire être supérieur, d'avoir le droit de juger quelqu'un selon sa race, selon son orientation sexuelle, si la norme veut dire que j'ai le droit d'haïr quelqu'un pour être différent, then I don't want to be it. Si ça c'est la norme, I don't want to be it. I don't want to fit in then. Je veux juste être moi. Yes, this video might be gay. Et tu peux le dire, that's gay. Là, je veux que tu le dises d'une façon positive. Parce que oui, I'm gay and I'm proud. Tu sais, je fais cette vidéo aussi sans vraiment connaître les conséquences, but I don't care. Parce que ça m'a pris forever pour être où ce que je suis rendu aujourd'hui. Trust me. Love yourself and accept yourself. Accepte et respecte, c'est tout ce que je peux dire. Parce que moi, j'ai pas le droit, j'ai pas le vouloir de te dire que le bullying va arrêter demain. Que les gens vont arrêter de juger demain. Ou que les gens vont arrêter d'haïr. I can't tell you that. Tu sais, la vie peut être belle. Puis tu peux faire une différence. Parce que, you know what? Les temps difficiles ne durent pas. Ce qui va durer, c'est toi. It makes you stronger. Puis si vous n'êtes pas rendu à ce point-là, it's okay. C'est un cheminement comme la vie est un cheminement. Je sais que c'est plus facile de le dire que de le faire, mais essaye de laisser le négatif de côté puis concentre le positif. Accroche-toi à quelque chose de positif ou quelqu'un de positif qui va te donner un peu d'espoir. Parce que oui, il y a de l'espoir, I promise. Parce que moi, je vais avoir 27 ans dans quelques jours. Puis je suis le plus heureux que j'ai jamais été dans toute ma vie. Que oui, je suis homosexuel, but it doesn't define me. It's just a part of who I am. Je veux dire, j'aime le beurre de peanut, mais c'est pas juste ça que je suis. Peanut butter lover. That's not who I am. That's a part of me. Comme mon homosexualité. C'est pour ça que, tout de suite, 5 ans après mon coming out, je suis fier de m'associer à une campagne et un mouvement. Just spreading the love, spreading the message that it does get better. It does. Stay positive, stay strong, love yourself, and accept yourself. Because you're beautiful. Just the way you are.